Valentin, on se voit pas nous-mêmes. Tu peux nous mettre un tout petit peu poil de lumière en plus, s'il te plaît, qu'on s'admire un peu. Ah oh, ouais, magnifique. Merci beaucoup. De rien.
que tu viennes du mal. Comme seule certitude. Quelqu'un seul, à cette heure même où tu parles. Quelqu'un seul. N'en reviens pas. Et un. Quotidienne du mal, comme ta seule certitude, quelqu'un seul, à cette heure même où tu pars, n'en reviens pas, et hurle. Qui offre la mort de son meilleur ami. Qui s'accroche encore pour tenir encore cette nuit. La force quotidienne du mal. Quotidienne du mal, comme seule certitude. Qui, de peur de la honte, quand ils briseront sa porte, s'endort déjà, tout habillé. La force quotidienne du mal, comme seule certitude, surpris encore qu'on te parle, ta voix, ton visage, tu ne les reconnais plus. La confiance dans le monde. Ta femme, tes enfants, ta maison, celui que tu appelles toi-même, en toi-même, les livres, la poésie, la pensée. T'as été volé. Quand tu le raconteras, tu ne croiras pas toi-même que cela te soit vraiment arrivé. Les coups pleuvent sur sa tête. Tout ce qu'il aura bien pu s'imaginer du bien de l'homme et de la fraternité n'empêche pas les coups un par un de tomber. De tomber.
farce des hommes, ignorant la lecture. La farce des hommes, ignorant le doute. La farce des hommes, pratiquant la torture. La farce des hommes, supportant le foot. La force quotidienne du mal, tantôt sur lui, tantôt sur ton frère. Tantôt sur l'Irak, tantôt la Serbie. Tantôt sur l'Iran, sur les écrivains, sur les juifs, tantôt sur les paysans. Sur les gentils, sur les doux, sur les coupables et sur les innocents, sur ceux qui n'ont rien à foutre là, indifféremment. Sur les homosexuels, sur les gitans, la force quotidienne du mal, comme ta seule certitude, quelqu'un seul, à cette heure même où tu pars. Ne reviens pas et hurle.
d'habitude, je m'étais promis toute cette tournée de Mendelssohn que je parlais pas entre les morceaux. Et j'ai tenu parole à peu près. Mais là, bon, ce soir, si ça m'arrive de parler entre les morceaux, voilà, faudra pas m'en vouloir. Tout le monde n'est pas trié sur le volet ce soir. On a toujours essayé d'éviter certains genres de public. Et le dernier soir, on échoue. Non mais on est content d'accueillir tout le monde. J'ai un petit problème de voix, mais normalement ça devrait peut-être tenir jusqu'au bout. On va faire une chanson, ça s'appelle Algérie. On est très content que vous soyez là. Merci. On est très content que vous soyez là. Il y en a qui sont venus de très loin. On les remercie beaucoup. Voilà. Plus c'est loin, plus on vous aime. Voilà. Ceux qui sont venus de Nantes, on s'en fout. Merci. Pierre-Yves me dit, mais c'est pas vrai quand même. Non, ben non, c'est pas vrai quand même. Il faut préciser. Algérie, merci. Je vais parler lentement. De la famille à être né chez toi et mort il y a 8 ans déjà. La distance s'agrandit. Les photos au mur sont tellement pâles qu'elles ne sont plus jaunies. Algérie 2019, la classe
international. Droite et digne comme un i. Avec ton sourire comme un doigt brandi, droit et digne lui aussi. Tu as marché fièrement sur ton Frankenstein de président. Peut-être que tu n'as plus peur, Algérie. Mais moi, Algérie, très chère Algérie, je vais parler doucement, de peur d'être mal compris. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, Algérie. Il faut en prendre soin. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, comme les coraux, la forêt amazonienne, le bocage en Normandie. Algérie, très chère Algérie, un pays sans juifs est un pays malade. Un pays sans juifs est un pays malade. Sauf peut-être la Sibérie nord-orientale ou la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Un pays sans chanteur est un pays malade. Lounès Matoub, Lounès Matoub, Lounès Matoub, Lounès Matoub, Lounès Matoub, Lounès Matoub, Lounès Matoub. Un pays sans juif, un pays sans chanteur est un pays malade. Un pays sans juifs n'est presque plus un pays arabe. Ah, frère, assis à moi. Excuse-moi si je dis n'importe quoi. Parlons pas d'un pays juif sans arabe. Mais certains de mes ancêtres vivaient Lourmen, Oran, Lemsen. Certains de mes ancêtres sont enterrés à Lourmen, Oran, Lemsen. Certains vivaient là depuis le 15e siècle. L'exil d'Espagne. Certains étaient là depuis peut-être bien avant la conquête des Arabes.
depuis les tribus juives berbères qui peuplaient les montagnes de Kabylie. Longtemps, longtemps, longtemps avant ta naissance, Algérie. Et ce n'est pas une compétition d'ancêtres. Ce n'est pas une compétition d'ancêtres. J'écoute Abdelkader Chaou. C'est magnifique, le cher Abi. C'est beau comme du folk. C'est beau comme de la vraie country. C'est plus beau encore, puisque c'est de la musique orientale. Et que la musique orientale est infinie. J'écoute Ferhat, Renette Loranès. J'écoute Idir. Ah, va, va, I, nous va. Et j'ai la gorge qui se serre. Je suis saisi. J'ai le cœur qui se brise au son de la voix de cette femme qui entonne la mélodie. Pourtant, l'impression d'être étranger dans ma propre nostalgie. Imposteur dans ma propre nostalgie. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu, ou bien c'est normal. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays justement disparu, bien c'est normal. Nostalgie de l'Atlantide, pays englouti. C'était pas une façon de se dire au revoir, Algérie. C'était pas une façon de se dire au revoir. Chante Leonard Cohen sur la chaîne Ifi. C'était pas une façon de se dire au revoir. Plus il a vieilli, plus il ressemblait à mon grand-père, Léon Boisiz d'Algérie, Leonard Cohen. Sur la fin de sa vie, n'est pas une façon de se dire au revoir. C'est triste pour les juifs, Algériens. C'est triste pour les Algériens, Algérie. C'est triste pour les Harkis. Avec les collègues, les amis, Karim, Mouloud, Rachid, Mourad, Farouk. On n'en parlait jamais de toi, Algérie. Tu étais comme une ombre qui plane au-dessus des conversations et des rires. Comme un nuage d'octobre en montagne de Kabylie qui fait du froid et du sombre, même en plein cœur de l'après-midi. Comme une ombre qui surplombe. Ambiance de plomb. On n'en parlait jamais de toi. Mais tu étais toujours là. Algérie, bouge ton. Six.
Grand monde à t'avoir connu à l'époque, Algérie, je t'ai dit, Henri est mort, mes grands-pères bien avant lui, les oncles et les tantes, les grands-cousins disparaissent, les gens disparaissent, et leur mémoire meurt aussi. Les gens meurent en exil et leur mémoire s'exile aussi. Les gens disparaissent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne voulais pas parler de ça. 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 Entre moi.
chez moi-même, c'est dans mon vrai pays, Algérie. Quand on est allé à Oran, en 2004, avec ma petite famille de faux juifs, disparus à l'intérieur d'eux-mêmes, il n'y avait pas un seul doute, Algérie. Chez toi, nous étions des juifs pendant tout le temps du voyage. Tu nous auras offert ça, en même temps que la peur et l'angoisse de marcher dans nos rues fantômes. Mais c'était nous les fantômes qui marchions dans les rues fantômes. La ville était pleine de gens qui avaient l'air de vivre, qui nous regardaient comme des fantômes sans nous adresser la parole, peut-être par peur, peut-être parce que nous étions suivis constamment par la police, peut-être par peur de notre force maléfique. Et nous marchions, juifs fantômes, fantômes de juifs dans l'ancien quartier juif disparu. Nous les juifs disparus à eux-mêmes, nous marchions fantômes de juifs dans la ville Oran qui n'avait pas bougé depuis des décennies. On osait à peine être là, on osait à peine faire du bruit, on chuchotait comme des fantômes. Nous sommes arrivés devant la boulangerie de grand-père. Et nous sommes rentrés dans la boulangerie de grand-père. Et j'ai vu que le patron savait qui on était. Et j'ai vu que le patron ne voulait pas savoir qui on était. Et j'ai vu que l'Algérie avait encore peur que l'on revienne. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, Algérie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur, qui rêve encore, qui rêve encore au retour, qui rêve encore au retour. Qui rêve encore. J'ai écrit sur Kassem en 1983, Barbara. J'ai écrit sur Karim dans une chanson ratée qui ne vivra pas. Mais cette chanson pour mon ami Kamel. Tous les enfants de Harki. Et tous les enfants de Pieds Noirs. Et tous les enfants des Juifs d'Algérie. Cette chanson est pour toi aussi, bien sûr, Algérie. Cette heure-ci, chez toi, il doit faire beau, il doit voler des hirondelles. Il pleut sur Nantes, évidemment. Le soleil tombe sur la mer à Oran, sur la corniche, une mère rappelle son enfant, je la vois, tu sais, maintenant, en temps réel.
J'espère qu'un jour, tu n'auras plus peur peut-être. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus besoin d'ennemis. Et tu nous rappelleras alors, nous, les descendants de ceux qui sont partis, tu nous inviteras. Et nous, on viendra. En visiteur, en bête touriste, rien qu'en étranger. On viendra visiter ton pays, ton beau pays, Algérie. Algérie 2019, la classe internationale, droite et digne comme I. Algérie. Croyez poète, prophète, génie. Je ne crois plus comprendre que les incompris. Je parlais tout seul. Et toi, ma sœur,
et seul aussi. Tu t'es tu maintenant. Je ne t'ai plus suffi. Et toi, mon frère, tu parlais seul aussi. Tu continues quand même. Au bord d'une voie rapide, dans un lotissement, dans une ville légère, légèrement vide, en voie d'achèvement. Lacan fait un bruit de bricolage. C'est un endroit silencieux, couleur de village, avec ses rues, mon nom,
délicieux, sous un ciel très blanc. Par-dessus, des pylônes en bordure d'un champ. Tu manges toute seule le soir au restaurant. Tu n'as même pas 35 ans. Tu n'as pas de proches ici. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as plus que des collègues. Tu t'accroches aux personnages de série. Tu connais leurs prénoms. Leur visage. Et tu leur donnes tous tes week-ends. Et ton existence ainsi doucement se dissout dans ces espaces trop vastes et trop mal pensés. Tu te sens flotter à garde le dimanche. Le samedi soir, au supermarché. Et plus la foule est nombreuse, et plus tu te sens seul, déserté. Et tu restes là. Sans plus de gestes, sans parole, prête à tout, mais sans rien faire, à vivre, comme vaguement, à vivre, comme tout un chacun, à vivre somme toute comme, tout naturellement, sans l'idée que revienne un jour l'envie d'avoir un destin, une vie plutôt que des vacances, dans ces déjà très vieilles villes nouvelles, peuplées de vie en ruine et d'espoir se ruinant. Tu écoutes de l'autre côté du mur. Quelqu'un se tourne en dormant.
tu ne rêves plus jamais que de ce que tu pourrais peut-être un jour t'acheter. Tu ne crois plus à rien, vraiment. Rien ne vaut le bonheur après t'être fait bousculer. De trouver ta place dans le métro bondé. T'asseoir, fermer les yeux et reposer tes pieds. We'll be right back.
sur Michel Pires. Sylvain Joasson. Pierre-Yves Louis. Quentin Rollet. Et le petit nouveau, notre petit enfant, Stéphane Pignol. Merci Stéphane. Ce que ça veut dire dans le code des fleurs. C'est quoi? C'est ça veut dire bon enterrement ou des trucs comme ça? C'est, elles sont belles. Tu les veux? On en prendra une chacun. Il n'y a pas
c'était un rêve ou un mensonge de ta mère, tu sais. Rien, il n'y a pas de maison secondaire, de maison primaire. Pas de voiture, pas de montre au poignet. J'ai la casquette de grand-père, un mouchoir, un opinel cassé, des livres en miettes. J'ai échoué, mon fils, j'ai échoué, je sais. Quelques chansons nettes à la SACEM, quelques centimes. Chaque année, rien, la pluie, le vent, l'eau qui coule de la Seine, un peu d'air. Sans emploi, ce sont les seules choses qui nous appartiennent à nous. Je te délai. Rien. Si toutes ces choses existent encore, qui s'appelle 1983, Barbara. Pour continuer la discussion qu'on avait tout à l'heure dans le bar, il y a une phrase de mon ami Jean-Jacques Nissen que j'aime beaucoup. Et il dit je sais pas si c'est vraiment vrai tout ça, mais en tout cas, je m'en souviens très bien. Voilà. Thank you.
1977. 1978. 1983. Aujourd'hui, je m'en fous. Je me souviens de tout. Comme s'il avait fait beau. Toute cette époque-là. Les souvenirs, c'est comme une fausse vie qu'on subit. Les souvenirs, c'est comme les films Super 8. Ça a comme sa propre vitesse. Faut pas ralentir la machine. De peur de brûler ce qui reste, faut prendre ça comme ça vient. Je regarde et je profite. Je revois mes amis. Je m'envoie là, à ce coin. C'est fou ce que je suis petit. C'est fou ce que je rigole. C'est fou ce que je rigole pour n'importe quoi. Ma mère descend l'allée, m'appelle, et moi je souris quand elle me voit. Elle me dit peut-être. Elle aime pas trop mes amis. Mais c'est pas grave. Plus tard, on ira quand même ensemble mettre des pétards mammouths dans les poubelles. Marcher dans les roses rouges du concierge. Faire du skateboard dans la descente. Jusqu'au virage, je suis surpris de pas être mort au moins une fois. 1982. J'étais si amoureux, j'étais si content d'être malheureux, je croyais que ça finirait pas. C'est fini tout seul, bien sûr, 1983, moi et elle, moi et Barbara. On se regardait, on restait là. J'aimais sa mère aussi un peu, je crois. J'attendais devant sa porte, je restais dans l'escalier. J'appuyais à la minuterie jusqu'à ce que je parte en courant jusqu'à de l'autre côté. J'entends ta voix. Il y a eu d'autres filles plus tard. J'ai jamais compris ce qu'elles pouvaient me voir que toi tu ne voyais pas. J'ai jamais rien compris, Barbara. Sentais bon le parfum de ta mère. Je devais acheter des fleurs pour ton anniversaire. Ma mère disait que c'était des fleurs pour les cimetières. Et je t'envoie plus tard. Sur le trottoir d'en face, la patinoire. Je te faisais signe, je te filais mes devoirs. Je te regardais les mains, les cheveux, les bras, le cou, et l'endroit où il n'y avait rien sur ta poitrine. J'y pensais la nuit, j'y pensais le jour, je pensais plus jamais rien qu'à ça. Tout le monde disait que je t'aimais, tout le monde savait que je t'aimais. Je prenais l'air malheureux pour te faire honte. Alors Stéphane, comment on peut, tu sais, je fais toujours comme ça. Et je revois la famille d'à côté, qui étaient nos pauvres. Ça rassure dans un monde compliqué, il y a toujours plus pauvre que soi, à qui ma mère a donné ma collection de pif et encore nos vieux vêtements, nos jouets, qui avait un chien plus grand que je croyais que c'était possible, qui dormait dans leur baignoire. Leur père faisait du cyclisme, un peu d'alcoolisme aussi, je crois. Sylvie, leur fille, qui était bizarre, on disait qu'elle était en retard. Ma mère disait qu'ils n'avaient pas eu de chance. Je disais qu'ils ne sentaient pas bon. Ma mère disait qu'elle avait honte que je puisse dire une chose comme ça. Ils habitaient face aux hippies. Entre eux, ils ne s'aimaient pas. Les hippies. Était jeune et beau. Ce qui me semblait, c'était plus propre chez eux et puis plus chiant aussi un peu. Ma mère essayait de les aimer. Elle avait besoin d'amis. Elle disait qu'ils étaient sympas. Sympas. Ils avaient des tentures aux murs indiennes, des tapis incas. Ils écoutaient de la musique étrange, buvaient du thé, revenaient de voyage, étaient bronzés. C'était une autre vie que nous. Ma mère essayait bien d'être à l'aise, mais il me semblait que ça marchait pas.
tu m'envoies avec mon père distribuer les dimanches de porte en porte l'humanité. Et je revois les voisins qui habitaient dans les petits pavillons plus chics, tes collègues à maman, plus riches. La lutte des classes, c'est un jardin, une table de ping-pong, une chambre pour chacun, une cheminée dans le grand salon, une voiture neuve, un frigo plein, des vacances, été, hiver, des chouettes habits. C'est propre et puis ça sent l'air. Je revois le crépi dans notre appart et mon père qui partait au cours du soir. Il y avait sur les murs peut-être un dessin de Folon, plus un de moi, une poupée qu'avait ramené pour leur retraite mes grands-parents d'un voyage à l'étranger. Il y avait l'affiche d'une ronde de petits chinois, Buster Keaton, qui souriait jamais. Tous les jours je le regardais, je le fixais, peut-être c'est lui qui savait. Je voulais comprendre pourquoi. Et je revois la télé, noir et blanc, et moi assis en tailleur, et la chambre, et le Christ au-dessus du lit de ma petite sœur, qui était toute une histoire dans la famille, que je comprenais pas. Et tout ça se mélange, la tristesse de maman, et le bruit des gens qui jouaient au boule dehors les soirs d'été, quand on se couchait avant le soleil rouge. On devinait avec mon frère depuis les lits superposés. On rentrait à 6h pour le bain du soir. On évitait la malade du bas de la cité qui avait notre âge, qui se promenait tous les soirs pareil et qui crachait sur tout le monde, qui faisait peur et puis de la peine. À l'époque j'ai dû tout pleurer. Je pleurais pour rien, pour la voiture qu'on changeait, pour un nouveau papier peint. Puis je restais des heures dans la cage d'escalier à remonter les étages dans le vide de l'autre côté de la rambarde, avec toujours la peur et l'envie que quelqu'un vienne et me surprenne en train de tomber. À l'époque, j'avais deux meilleurs amis. L'un, sa famille était moins drôle. Son père était harki. J'ai jamais vu en dehors de chez lui. Sa mère me paraissait immense, pas très facile, et puis son frère avait la plus grande collection de comics que j'ai jamais vu de ma vie, que des Marvel et des Strange qu'on lisait dans sa chambre, qu'on s'échangeait, moi et lui, après le soir au fond de mon lit. Je regardais le plafond
tester mes pouvoirs. J'avais un laser, si je me concentrais, qui me sortait par les yeux, je pouvais tuer des gens. J'étais un dieu. Je m'endormais comme ça, j'étais heureux. J'écoutais le bruit des peupliers dans le vent. J'écoutais la respiration de mon frère. J'écoutais le bruit des amants de ma mère. Elle attendait toujours un peu mon père. Je savais moi aussi que je l'allais rentrer un jour sûrement, que ça pouvait pas être autrement. Le matin, à l'école, on racontait toujours des films incroyables avec un mec, un moment à la fille du fait tout, ah oui tout. Mais quoi ? On se montrait un peu fermé, le creux de nos bras paraissait que les filles en dedans au milieu c'était comme ça. Et moi toujours, toujours je voulais que tout le monde m'aime. J'avais un tel besoin d'amour qu'il aurait fallu tout l'amour de la terre. Je me sens enfin à l'aise de faire aimer de la boulangère, des gens qui passent dans la rue, faire aimer toutes les grand-mères. J'aurais demandé de l'amour à un clochard. Toutes ces histoires d'enfants perdus qu'on retrouve pas. Les enfants, c'est pas regardant. Ça prend ce qu'il vient. Je le sais moi, j'étais comme ça. Je me souviens encore de mon voisin Johnny qui était nerveux, je crois qu'à mal fini, que j'ai revu plus tard, j'étais vendeur. J'ai essayé de prendre en douce dans le magasin tout ce qu'il a pu, il a pas compris. Il a cru qu'il était plus malin. Et moi je me souviens lui qui était chef de vente. Alors j'avais de la peine. Plus tard à ce qu'on m'a dit, qu'il prenait des trucs graves dans les mêmes cages d'escalier où on mangeait nos chocos BN. On se tenait contre le chauffage des jours d'hiver où il neigeait. Il y avait une bataille de neige géante dans tout le quartier. On se partageait les gants, on attaquait en serré. Fallait prendre tout le côté droit des immeubles bis de la cité. Johnny c'était notre chef, on se serait fait prendre pour lui. On avait la fidélité. On mettait des calous, des calots, des billes dans la neige au milieu des boules. Tout ce qu'on pouvait trouver, je me souviens. Quand j'ai vu mon caillou vers la tête d'un mec d'en face, j'en revenais pas. J'envoyais le sang du mec, j'attendais la police la nuit, j'entendais tous les pas venir dans l'escalier. Et je me souviens, la dernière nuit avant qu'on parte, j'ai senti le monde disparaître devant de moi. Je regardais les valises déjà faites, j'ai commencé tôt la nostalgie, j'étais déjà tellement doué pour ça. Tout petit, je me souviens encore. D'un jour, la fille de la voisine que j'aimais pas, elle me montrait tout ce qu'il y avait à voir et moi j'imaginais Barbara. J'ai montré moi aussi, elle voulait que je lui dise que je l'aime. Je lui disais que non, je ne l'aimais pas, mais toi je t'aimais. Toi, toi je t'aimais. Barbara. En 1982, en 1983, ah oui, depuis longtemps. Toi, 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 toi.
83. Depuis longtemps. T'aimais, en bas, j'ai jamais su si tu m'aimais rien qu'un peu. J'ai jamais su si tu m'aimais rien qu'un peu, toi. Faire une chanson qui s'appelle Scanner. Oh. Et après, on va faire une chanson qui s'appelle La dernière chanson. Et ce sera la dernière chanson du dernier concert de Mendelssohn. Non, après, la dernière chanson. Bon, comme son nom l'indique. Ce sera la dernière chanson. Après, il y a les films Super 8. Oh putain. Pas pour tout le monde, apparemment. Donc, voilà. Mon frère, on l'a joué sûrement une ou deux fois déjà à Nantes, je pense. C'est pas la première fois qu'on vient. Les gens, ils nous disent, ah, mais pourquoi vous faites le dernier concert à Nantes? Bon, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas. De toute façon, il n'y a plus que des Parisiens à Nantes, donc je vois encore on est. J'en connais dans la salle qui sont arrivés depuis moins de 2 mois, donc. On aurait pu faire ça à Lille, mais à Nantes, c'était bien. On se souvient des. On a joué avec Idaho. Quelqu'un se souvient encore de Idaho? On a joué avec Idaho à l'Olympique. On a joué avec Yann Tiersen. Quelqu'un se souvient encore de Yann Tiersen? Oh! Ah, mais c'est méchant! C'est la fin, c'est tout amour et tout ça. Non, Yann, si tu nous entends. Le cœur y est. Non, la saloperie y était, mais le cœur aussi y était. Nous, c'est comme ça, hein, c'est tout à la fois. Beaucoup d'amour. On a joué avec. Avec qui on a joué encore? Ah oui, Marc Kozlek. Ouais. Et, bah, ici, au lieu unique. Il n'existe plus, lui. Hein. Faut plus en parler. Faut plus. Non, c'était un génie, mais là. Non. Il y a des limites dans le génie et puis la saleté. Bon, bah, il a fait pencher la balance. Pour pas tout quand même. Mais c'était un génie, hein, putain, le cochon. Et le cochon, justement. Marc Ozelec, quand on a joué ici au lieu unique, là, il était. Il n'est pas venu regarder le concert, bien sûr. On a joué les heures, ça durait 54 minutes et un peu plus. Et je suis descendu de scène avant les autres parce que j'en avais marre. Il était devant la loge à pester parce qu'on était trop long. J'ai pas osé lui expliquer que c'était un seul morceau, qu'on n'allait pas l'arrêter au milieu, Marc.
Tu comprends? Et j'aurais su que c'était un. Enfin, que c'était lui, je me serais moins senti gêné, je pense. Bon, il y a encore deux chansons, j'ai encore 3 minutes. C'est très étrange, parce que je l'ai adoré, ce mec-là. J'ai écouté cet album avec Jean-Michel. Il y a des chansons, ça. On écoutait ça, on chialait, et j'arrive plus du tout à écouter le. C'est bizarre. Donc, voilà, vous n'êtes pas à l'abri. Si jamais vous avez aimé Mendelssohn, il y a un énorme dossier qui va tomber, et vous ne pourrez plus du tout écouter les 18. Quand je pense qu'on est allé le voir en concert, ça, je te jure. Il avait l'air de rien comme ça, putain. Le plus grand serial killer de l'Est parisien. Je les ai toutes enterrées au Père-Lachaise. Chut. Là, on dérive. C'est pas un parcours, comme il a dit, monsieur. Parcours sans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut hurler une connerie pour me sortir du. Ouais, on va faire Scanner. Donc on fait Scanner, on se la pète à mort, et après on fait la dernière chanson, et après on se voit au stand de merch, on veut tout liquider. Hein. Donc, je sais pas combien vous êtes, mais il n'y a personne qui repart sans son disque. Et après, je crois que c'est ouvert tard ce soir, donc voilà, voilà, on se met vraiment une super mine au bar tous ensemble. Et j'ai plein de microbes à vous offrir, pas de soucis. Je solde ça aussi, je donne tout.
ne peut pas y avoir que ce que tu dis. Je peux pas croire tout ce que tu me dis. Ce que tu me dis, j'y crois à peine. Ce que tu me dis, c'est trop simple, c'est trop joli. Et puis tu me manques. Tu me manques quand t'arrives. Tu me manques quand tu t'en vas. Je me glisserais là en toi si c'était possible. Je me glisserais là en toi si j'avais le choix.
Souviens-moi, ça va. Merci beaucoup à Au Lieu Unique, merci beaucoup à Pierre, merci beaucoup à Guillaume qui faisait le son pour nous. Merci à Jean-Louis qui l'a fait beaucoup au printemps aussi. Merci beaucoup Jean-Louis, il est là ce soir dans la salle aussi. Merci à Valentin qui a fait les lumières. Merci beaucoup. Marion, Salomé, ouais, merci beaucoup. Merci. Je vais faire pour la dernière chanson, je vais rendre hommage à Morrissey qui est lui aussi mort d'une certaine manière. T'aimais bien Steven. Voilà, regarde. Il mettait des glaïeuls. Moi, c'est des roses. Je sais pas pourquoi il faisait. Ouh, c'est rafraîchissant. C'est peut-être ça, toutes ces années, pour ça qu'il le faisait. Tiens. Ok. J'ai dit merci, c'est bon, à tout le monde. On va faire la dernière chanson. C'était Sylvain Joasson, parce qu'après, il n'y aura plus personne. Sylvain Joasson. Sylvain Joasson. Sylvain Joasson. Sylvain Joasson. Jean-Michel Pires. Pierre-Yves-Louis. Stéphane Pignol. Quentin Rollet, bravo. Nelson, merci beaucoup d'être venu, merci énormément, merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci. La dernière chanson, Olivier, du dernier album de ce vieux groupe qu'on avait monté ensemble il y a tellement longtemps. Mendelssohn. Incroyable, tout ce temps, c'est comme s'il m'était tombé. Le bruit de rien qu'il a fait.
25 ans. Olivier, tu te souviens, le célèbre imperméable bleu? On l'écoutait chez nous quand on habitait tous les deux. Tu vis pour presque rien maintenant. Est-ce que tu es heureux? Je te revois dans les couloirs de la fac, Olivier. La vie depuis nous est passée au travers, comme dit le poète. Cette classe étrange que tu avais, mon cochon. Tu vis maintenant du côté de Besançon. Je n'y suis jamais allé en concert. En 1993, la bohème c'était nous, pas besoin d'Aznavour. Je revenais à genoux de Lyon et chez nous. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas de lumière. Tu partais le week-end chercher 50 francs chez ton père. La semaine, on essayait d'écrire des chansons. Tu étais tellement doué, mais tu t'en foutais. Tu avais tout le talent, je n'avais que les rêves. L'ambition, je me sentais Novoselitch devant Kurt Cobain. Tu m'impressionnais beaucoup, tu sais. Dommage, il a bien fallu que ce soit moi quand même qui me mette à écrire des chansons. Et si je n'ai pas écrit trop de conneries toutes ces années, c'est un peu grâce à toi, tu sais. Fidélité, je m'en serais voulu de faire honte aux copains. Tu m'as appris à jouer de la guitare. On a appris ensemble à être humain. On habitait cette cour, rue Jean-Pierre Timbaud. Je sais pas si t'aimerais que je raconte de trop. Y'a pas trop à raconter, de toute façon le chat sortait dans la cour, on vivait dans l'obscurité. Ma première copine m'avait bien salé la tronche. Tu avais bien un peu pitié, mais pas trop, cette histoire ça t'emmerdait plutôt. Je chantais les chansons de Leonard Cohen comme si c'était les miennes. Je faisais bien un peu pitié, Olivier, c'est vrai. Qui sait à quoi toi tu pensais. Tu vivais toujours ta vie comme si ta vie en dépendait. J'aime bien cette phrase étrange, un peu con. Mais je crois que c'est parce qu'elle est vraie. L'été, on sonnait au Père Lachaise. C'était nos vacances à nous, plein air. J'allais voir Proust et moi, Apollinaire. On fumait des heures sur les tombes. On a toujours été plutôt à l'aise avec les morts, tous les deux, de toute façon. Les morts ont la bonne dose de conversation. Et à propos de mort, Olivier, tu sais, j'ai vu un grand panneau dans la rue l'autre jour avec marqué, entre guillemets, je ne veux pas mourir. T'imagines la surprise, l'effet que ça m'a fait 25 ans après. Ah non, je ne crois pas bien sûr que c'était rapport à la chanson. Un jour, tu as décidé d'arrêter la musique. Quel mystère, quel drôle de suicide. Un musicien comme toi aurait pu devenir Charlie Hennen, Brian Jones sans la piscine, McCartney sans les Wings. Je
vous voyez finir comme les Beatles, Lennon, McCartney, Oasis, Free Jones. Et regarde, je finirai chanteur français. C'est la dernière chanson, Olivier. Du dernier album de ce vieux groupe qu'on avait rêvé ensemble il y a tellement longtemps. Incroyable qu'on soit toujours vivant, bonhomme. Même si je meurs un peu ce soir. Avec la mort de Mendelssohn. Alors, salut Olivier. Et salut à tous, public, invisible, 25 personnes dans un café, entre vous et moi. Pas la peine que je m'étende, vous savez. Salut Meir, où es-tu aujourd'hui? Salut Bruno, Christian, Charlie. Comment bien Charlie? Oh, comment bien Charlie? Oh, comment bien? Salut Charlie. Salut Vincent, label Lithium. Merci Vincent. Merci pour moi. Merci de la part des 25 personnes. Salut Stéphane, ici d'ailleurs. Merci pour le sauvetage, Stéphane. Merci pour Brunoir. Merci pour l'accueil. Salut Fabrice, connaissant Nicolas Becker. Salut les frères Loro, Prohibition, Prohibited Records, vieux compagnons de route. Salut Emmanuel. Très vieille, très chère amie. Salut Julien Bassoultz, mon Broadway, Danny Rose. Salut Cécile, live. Pascal, Tipex, Florent, de Soyuz. Pas évident de trouver des concerts pour Mendelssohn. Groupe obscur. Connu, mythique, culte, mon Dieu. Salut Noël, salut Dominique Marie, je me souviens de tout Dominique, merci. Salut JP, salut Guillaume au Chili, salut Jean-Louis. Salut vieux pipi. Salut Stéphane, Blaise, sois béni, Blaise pour Mendelssohn, le cinquième. Salut Christophe. Salut Gribouille, Sylvain, mon pote, champion. Je préférerais rater 1000 fois avec vous que réussir avec des cons. Salut Stan. Salut Michel. Michel, tu étais là. Au premier concert. De Mendelssohn. En 1996. Et tu es là. Au dernier concert de Mendelssohn en 2022. Si jamais l'histoire cherche un témoin,
te l'enverrai, Michel. Tu l'enverras pas chier, s'il te plaît. Michel, sois sympa. Au moins une fois. Salut, Nicolas Boisise, mon frère. Si Mendelssohn était un seul homme, il saurait combien il te doit. Ah, il le sait, je crois. Salut, Jean-Baptiste, Nicolas, le nouveau, le guépard, le fantôme. Salut, Stéphane, Birdman, notre petit birdie. Non. Salut, Quentin, Pierre-Yves, Sylvain, Jean-Michel, les derniers, la famille, les fidèles, les vieux tontons de mon fils, Gabriel. Allez, je vais encore me faire chialer. Salut Olivier, tu te souviens comment on se marrait? Peu